Ouais. Et là, c'est quoi ton match? Allez, gars, allez! Ouais, mon pion! Allez, vous avez sur le terrain numéro 1 pour l'Olympique de Marseille contre l'ASPTT La Ciotat. Vous avez sur le terrain numéro 2 le Havre contre l'US Torcy. Là, on y est, juste en haut. L'âme de la tête. Juste en haut derrière la tribune, vous avez sur le terrain numéro 3, Toulouse contre Montreuil. Et sur le terrain numéro 4, Montpellier contre Villejuif. Allez, n'hésitez pas à vous rapprocher des gradins. Les premiers matchs ont commencé. N'oubliez pas le premier tournoi de Player Academy. Avec tous les pros, tous les amateurs. Vous allez avoir aussi tout au long de la journée votre buvette à disposition. N'hésitez pas à vous rapprocher des collègues dans le rôle pour tout renseignement. Ils vont le faire, ils vont le voir. Voilà, ils commencent avant. Et ils ont commencé avant, mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Coulisse ! Antoine, à toi ! Dis-toi, Antoine ! Moi, je vais laisser 2 minutes de plus là-bas pour qu'on puisse finir ici à temps. Pareil, quand on sent comme ça, les gens, ils s'arrêtent et on démarre en même temps. Je crois que je vais faire ça. Là, j'ai pris le temps d'ici. Mais regarde, Antoine ! Oh! Joue, 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 joue! Bien, Et juste pour vous indiquer quelques informations, le tournoi il se déroulera sur 2 jours, samedi et dimanche. Donc l'entrée elle est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Et 5 euros pour le reste. Et que les autres équipes. Toi, tu mets les scores, c'est fini. C'est ça ta mission du jour. Moi, je vais regarder et on va faire en sorte que. N'oubliez pas qu'ils sont bannis sur 4 terrains, 2 terrains pelouse et 2 terrains synthétiques. Et si vous voulez des renseignements pour le numéro des terrains, les matchs, vous avez les collègues en orange. Allez, Noam.
Si vous avez des besoins, j'espère pas.
Merci aussi les différents partenaires qui ont contribué à l'organisation du tournoi Sport de Nuit. On a Leclerc, la société de location de voitures Rantacar. Allez, Mohamed, t'es pas fini, cœur. Allez, on y est, c'est l'homme, va. L'homme, ta tête. Allez, je vais vous rappeler les prochains matchs. Donc sur le terrain numéro 1, la S Nancy Lorraine contre Montpellier FA. Sur le terrain numéro 2, l'Olympique Lyonnais contre le Burel FC. Sur le terrain numéro 3, l'OGC Nice contre l'ES Trinité. Et sur le terrain numéro 4, Lausanne contre le FC Mougin. Je vous rappelle que le terrain numéro 1 et le terrain numéro 2 sont les deux pelouses, et le
terrain numéro 3 et numéro 4. C'est les deux terrains synthétiques derrière la tribune. Des équipes, la sortie à chaque fin de match sur les terrains pelousés se fait par l'axe de la tribune et l'entrée sur les terrains pelousés se fait à l'extrémité là-bas à droite, juste en dessous de la, du camion de la Croix-Rouge. Donc pour les terrains synthétiques, vous avez des collègues en orange là-bas qui vont vous orienter. L'entrée se fait côté gauche, donc juste à côté du camion de la Croix-Rouge. La sortie des joueurs, elle se fait sur le côté droit. Antoine, vers l'entrée principale du complexe. Voilà, donc ça c'est des informations pour les éducateurs à transmettre à leurs joueurs. Merci. Allez, je vous rappelle juste que la sortie du terrain pelousé se fait par l'axe de la tribune principale. Sortie se fait par l'axe de la tribune, s'il vous plaît.
pour les matchs qui sont finis sur la pelouse. La sortie se fait par le centre de la tribune principale. S'il vous plaît, merci.